Des échanges commerciaux d'environ 700 millions de dollars par jour entre le Canada et les États-Unis, complètement secoués par des manifestants. C'est le plus gros port d'entrée au niveau du transport routier. C'est le plus important. Une dizaine de milliers de camionneurs transigent par le pont Ambassadeur chaque jour entre Détroit et Windsor. Maintenant, ils doivent entrer au Canada par le poste frontalier de Sarnia, plus au nord. Si tu as 2 heures de plus par Sarnia, puis Sarnia est congestionné, ça veut dire que sur un mouvement normal, tu peux additionner entre 4 et 5 heures facilement jusqu'à 6 heures pour réussir à s'en venir ici. Pour les parcs industriels de la région de Québec seulement, ce sont au moins 3 000 livraisons par camion par jour qui peuvent subir les effets des manifestations. Il y a des coûts additionnels, bien sûr, parce que les camionneurs doivent faire des plus grandes routes. Il y a des heures supplémentaires. Alors, même si une entreprise en particulier n'utilisait pas ce point de transit, elle se retrouve à être affectée parce qu'on ajoute de la pression sur l'ensemble du réseau. Vendredi, le premier ministre du Canada n'a pas nié que ces blocages en Ontario malmènent l'économie. Ce blocage particulièrement de notre économie qui fait mal aux Canadiens à travers le pays qui sont impactés par ces barricades, ça doit en finir, on doit en finir. Les manufacturiers et les entreprises de transport, elles, s'attendent à plus d'actions de sa part. Ce qui m'achale bien gros dans tout ça, c'est l'inertie du gouvernement fédéral, point à la ligne. Ça fait quand même plusieurs fois qu'on prend en otage des points névralgiques de transport, que ce soit les blocus cette fois-ci. Mais écoutez, si on revient 2 ans en arrière, on a connu des blocus ferroviaires au Québec, le port de Montréal, on a eu 2 grèves. Donc chaque fois, ce sont les manufacturiers québécois qui sont pris au piège. Mais si la situation se résout rapidement, le pire sera évité. Si réellement ils débourrent le pont aujourd'hui ou demain matin ou dans la nuit, moi, je dirais qu'on se retournerait probablement sur un trafic régulier là, dans 48 heures à peu près. Parce que pour le moment, outre des délais et des coûts additionnels, la crise n'a pas encore causé de fermeture et de mise à pied substantielle pour le Québec. Ici Audrey Paris, Radio-Canada, Québec.